Oui, c'est le Speedy. Ah oui. Dites-moi, vous êtes mécano? Oui, oui. Est-ce que vous êtes disponible pour venir réparer un véhicule au poste de Davis? Ça va être difficile, je suis à pied. Vous êtes où? Au garage. Vous voulez que je vienne? Ah bah je veux bien, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, mais je vais venir. Merci je à vous. Je vous attends. Ah du coup, attends. Comment on raccroche cette merde? Tout en haut du téléphone. J'arrive pas à raccrocher, bordel. Ah bah c'est... En fait, faut cliquer tout en haut là sur le téléphone. Sur l'icône de l'appel. Alors attends. Prendre des kits. J'en prends deux, on sait jamais. On les connaît, les moustiques. S'il y a plusieurs véhicules endommagés. Enfin, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas de véhicule de service, quoi. Ah putain, mais si! Eh ouais, mais je sais pas si j'ai le droit de m'en servir en fait. Donc je vais éviter. La connerie, ils vont péter un plomb pas derrière. Ouais, t'as sorti le véhicule de service, fallait pas. Si c'est pour me prendre ça dans la gueule après derrière, c'est bon. J'évite. On va éviter les conneries. Oh, je sais même plus combien je vais leur faire payer, je crois que c'est 400 pour eux, il me semble. Il me semble que c'est moins cher. Ah si c'est ça, c'est 400. Par contre j'ai clairement reconnu sa voix. J'aurais jamais cru qu'il fasse un RP et les speedy lui. Excellent. Excellent, monsieur Smithers. Bonsoir. C'est vous qui avez appelé? Monsieur? Monsieur? Oui, oui, c'est bon, là, il y avait un souci. Vous allez bien? Oui, oui, vous. Ça va, hein. Tu veux descendre du véhicule, tu le laisses faire son boulot? Ah, c'est celui-là qui a allumé? Ouais, s'il vous plaît, ouais. Il y a la porte, okay. Pour ça, j'ai... Ouais, ouais. Bah, y'a pas que la porte. C'est pour ça que j'ai avancé le véhicule. Oh mon dieu, il a plus tiré, il a plus cher. Alors, la question c'est. Ah, il m'a l'air de bien bombarder le véhicule. Je touche à peine les gâchettes, ça part. Hop. Ouais, vu qu'il est bien abîmé, hein, si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas, hein, vous me dites. Hein.
Ouais, justement, je suis en train de virer tous les bouts de verre. Hein. On était à l'événement, vous étiez pas à l'événement? Quel événement? Il y avait, une course de moto avec des prix à gagner au niveau de l'hippodrome. Ah merde, bah j'étais pas au courant. Y avait même votre patron et tout. Bah, je viens juste d'arriver en fait. Enfin, d'arriver. De Y avait beaucoup m'éveiller de de ma motos, ouais. sieste, je dirais. Ah, ok. Ouais, du coup, ils ont caillassé un peu, enfin, ils ont un peu abîmé mon véhicule. Ouais. Ah C'est ça bah. que toutes les vitres sont pétées. Oh. Du coup, vous Après ça appelez va. comment? Nassir, et vous? Nassir. Ouais, je m'appelle Carter. Carter Carter, ok, Lewis. enchanté. Ouais. Du coup, vous avez pris votre boulot, vous êtes nouveau, vous avez pris votre boulot il n'y a pas longtemps. Ben, je suis arrivé en ville il y a quelques jours et j'étais au tabac et du coup j'ai réussi à me faire embaucher ici en attendant. C'est bien, c'est bien. Donc je fais comme je peux. Ouais, bah c'est bien. Et par contre, vous avez pas de véhicule de dépannage? Patron vous a pas filé une remorque ou quoi que ce Si, soit? en fait, au moment où vous avez raccroché, j'ai regardé, enfin, j'ai vu qu'il y avait un véhicule de service, mais il m'en a jamais parlé, donc je sais pas trop si j'ai le droit de. Oui, si vous avez besoin de faire un dépannage, vous pouvez. Ok. Mais je vais essayer de choper le patron après lui demander. Faut que je lui demande. Vous avez son numéro? Je crois. Oui, je l'ai, oui. Je l'ai. On va nettoyer ça. Et ouais, pour le coup, ouais, je sors de ma sieste là, donc. Ouais, j'étais pas au courant qu'il y avait un événement en fait. Et on m'en avait pas parlé avant, donc je. Ah bah il y avait un article sur le Weasel News et tout. Ah, j'ai pas pensé à regarder. Attends, Qu'est-ce qui ça s'est m'est vraiment passé? sorti de la tête en fait. J'ai pas pensé à regarder. Ouais, Mais. c'est pas grave. Je vous ai pas dit, y a personne. Non, je viens juste d'arriver, je me suis dit bon. J'ai vu qu'il y avait un message du collègue sur le Twitter, enfin sur le social. Comme quoi le bénis était ouvert. Donc je me suis dit il doit être parti faire un tour. Je vais en rajouter un par-dessus. Et vous avez appelé directement. Je sais pas, vous verrez avec votre patron, mais je sais qu'il y a un collègue à vous. Ce qu'il fait, c'est que il reste pas tout le temps au garage, il met son numéro sur le social et puis Il se balade, ouais. il se balade et puis on l'appelle quoi quand il y a besoin. Ok. Vous voyez avec votre patron comment il veut faire, s'il veut qu'il y ait tout le temps quelqu'un au garage ou pas. Bah, moi, c'est ce que j'ai pensé, c'est pour ça que j'évite de trop me balader en fait. C'est beaucoup plus efficace quand il y a un garagiste qui attend, Oui, qui c'est clair. arrive. Après, on peut voir avec lui ce qu'il veut. Moi, je Ouais, sais je qu'il y a pense. un de vos collègues hein, qui a un tatouage rouge dans le cou là. Donc, il parle, qui est gitan, je crois, ou un truc comme ça. Mais je sais que lui, il fait des dépannages. Il est jamais au garage, par contre, faut tout le temps l'appeler, quoi. Ouais, mais lui il est un grade supérieur au mien aussi. Voilà. C'est ça. Alors que moi je suis juste un novice, j'ai été embauché il y a quelques jours. Donc je suis toujours entre guillemets en train de découvrir, je dirais ça comme ça. Parce que Ouais. c'est pas. Enfin, c'est un garage comme un autre, mais ils fonctionnent pas tous pareil. Oui, tout Donc à j'ai fait. évité de me permettre des choses que. Enfin, Ouais, c'est pour ça qu'il faut être coordonné avec le patron, quoi. ouais, bah je prends le temps tranquillement. Tranquillement. Très bien, du coup, vous avez fini, c'est bon? Ouais, du coup, ouais, j'ai fini. Je sais plus s'il faut que je facture, il me semble que C'est pas si. une facture, c'est vous demandez juste le numéro matricule. Ah oui, c'était ça, voilà. Du coup, c'est quoi votre matricule? 09. 09? Ok. Oui. Donc du coup, il fallait que je note le numéro de matricule. Attends, je me souviens plus. Oui, il faut noter quelque part, oui. Parce qu'après on paye tout par rapport à la semaine ou au mois, je sais pas comment ça fonctionne. Parce que en fait, vous êtes le premier policier qui vient faire réparer quand je suis là. Donc du coup, je suis un peu perdu. Bah notez-le quelque part, après vous demanderez à votre patron et puis vous savez que comme ça il vous dira Ok, donc matricule où 19, hein, c'est l'inscrire. ça? 09, 09. 09?
Ok, c'est noté. Bon, nickel. Ok. Bon. Bah, pour le coup, je vais essayer de choper le patron. Je vais l'appeler, tiens. Je vais demander pour le. Bah, merci bien, nous, on va vous laisser, on va retourner en patrouille. Ah, pas de soucis, ouais. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Passez une bonne soirée, puis n'hésitez pas si vous avez le moindre problème. Yes, merci. Bonne soirée. Je vais appeler le patron. C'est pas une bête, une mauvaise idée ça. J'ai pas pensé du tout en fait. C'est pas lui qui en est arrivé. Salut. Salut, salut, ça va? Ouais. Je viens juste récupérer du matériel là que je dois amener à un client. Ah ok ok trop bien. Tu t'as vu Jésus sinon? Il était par là avant. Non j'arrive juste en fait. Au moment où j'arrive il y a un flic qui vient pour réparer sa voiture. Ok. Et du coup en fait pour les policiers faut juste je note la matricule, c'est ça? Ouais exactement pour en fait pour le policier tu demandes juste le matricule et tu le notes en gros. Ok ok. Mais salut. Ça va ou quoi? Ouais. Après je sais pas si t'as expliqué s'il y avait déjà un contrat ou pas avec. Si je me souviens qu'il avait expliqué qu'il y avait un contrat mais je me souviens plus s'il fallait que je facture ou pas. Ouais bah ça tu lui poseras la question directement, ok? Ouais donc du coup. Si ça a changé depuis. Du coup j'ai juste noté le matricule sur la comptabilité. Ouais c'est ça, bah ça c'est parfait. Ok. Et puis comme ça si jamais enfin tu peux même lui poser la question, lui envoyer un petit message ou un petit mail. Ah, c'est ce que j'allais faire, j'allais l'appeler, mais j'ai vu le camion arriver, je me suis dit c'est lui, mais en fait non. Ouais, non, du coup c'est moi, je dois juste récupérer 2-3 matériels pour un client et puis je m'en vais. Mais je repasse tout à l'heure si jamais. Ouais, tranquille, bah, je suis là la soirée de toute façon. Si je le croise, je lui pose la question et puis je te dis. Yes, yes. Super, vas-y, bah à tout à l'heure alors. Yes. Attends, je vais l'appeler. C'est qui son nom déjà? Je sais même plus comment il s'appelle. Oh. Bah si je l'ai son numéro, c'est lui. Réponds pas. Écoute, tant pis. On va le faire chier, on va éviter de forcer. Bah, du coup, écoute, nique, hein. Ah c'est ça, faut que je lui demande, il est où? Du coup il a répondu? Non mais à mon avis il est occupé. J'avais une question, ouais. Le véhicule de service, on a le droit de s'en servir ou? C'est lequel tu dis de véhicule? Celui qu'on peut accéder ici là. Ouais la dépanneuse c'est ça? Ouais, je sais pas trop si on peut, parce qu'il m'en a pas parlé l'autre fois. Ah, je vais te dire très honnêtement, si t'en as besoin pour l'utiliser pour dépanner quelqu'un ou si t'en as besoin même à usage personnel, mais on va dire si c'est juste pour faire un aller-retour, t'acheter un truc ou quoi, ouais y'a pas de soucis. Ouais pour acheter à manger ou ouais ou surtout pour les dépannages en fait. Parce qu'en fait le policier tout à l'heure il m'a appelé, il me dit ah, vous pouvez venir, je lui dis bah non je suis à pied. Parce que je savais, alors, je savais pas. Oui, alors ça c'est sûr, non ça c'est sûr pour le dépannage, tu peux clairement l'utiliser, ça y'a aucun problème. Ça y'a vraiment aucun problème, faut pas se gêner. Et puis si jamais t'as besoin de qu'on te montre comment ça fonctionne. Bah tu demanderas au patron ou je te montrerai moi tout à l'heure si jamais. Ah pour le remorquage ouais je veux bien, parce qu'au pire je m'en sers pour aller dépanner sur place mais je saurais pas comment utiliser la remorque. Exact, parce qu'en gros normalement les BCSO, enfin la police et tout ça, ils sont, enfin le LSPD pardon, ils sont censés nous appeler aussi quand ils ont, bah voilà, quand ils ont des accidents, des choses comme ça. Ouais des galères ouais. Donc ouais pas de soucis. Ah
Il est fou. Alors ça, c'est impressionnant, ça. Sortir une et t'entraîner avec le véhicule là-bas, par exemple. Expérimente, hein. Pas de soucis. Lequel? Ah, le blanc, là? Ouais, exact. Ah, je vais tester, ouais, j'avoue. Si tu veux essayer. Vas-y, je vais essayer. Oh, je crois qu'il t'en veut, le policier. Ah ouais, je l'ai insulté, man. Je lui ai dit, j'espère pour lui qu'il a pas pété la marchandise, man. Ah, c'est pour ça. Ah ouais, boy. Du coup, attends, est-ce que ça va fonctionner avec la mallette? C'est ça la question. Parce que si ça fonctionne avec la mallette, pff, ça va être... easy. Oh, ça part maintenant. Alors non plus. C'était pas les clics et le joystick, je crois. Non. Non. Non plus. Non plus. Plus. Je sais pas comment faire. Peut-être avec WX. Aucune idée. Peut-être pas besoin. Du coup, comment ça fonctionne cette merde là? Ah merde, ça me sort les emotes, excellent. Attends, je vais... C'est vrai qu'il y a moyen d'éteindre le moteur, mais comment on l'éteint complètement? Parce que quand j'appuie sur G, ça me redémarre. Aucune fiche d'idée. Ah. Ah. Ah, par contre, je suis pas avancé. Ça, j'ai foutu. J'ai levé les mains. Comment on les... Comment je baisse les mains? Ok, alors attends. Je remonte. Donc c'est Maj et Shift. Ah, Shift et contre, pardon. Ah, ça l'a pris là. Je crois bien que oui. Ok, bon, maintenant la question c'est comment je lâche. Parce que là, ok, je le traîne, mais...
question c'est comment je lâche. Aucune idée. Alors, aucune idée. Non. Pas du tout. Aucune idée de comment je lâche. Je suis dans la merde. Comment je lâche? Non, c'est pas ça. Je sais pas comment je lâche. Espace, non. Il va péter un pont. En tout cas, ça fonctionne bien, mais je sais pas comment on largue la voiture, merde. Ah, peut-être avec. Ça peut-être. C'est quoi ce bouton? Okay. Je suis coincé. Et attends, si je fais ça. Ça va pas le ranger? Si, si, bah voilà. Voilà comment le lâcher. Oups! Comme ça, j'aurai un véhicule. Un véhicule de déco, au pire. J'avoue. En tout cas, j'ai pas compris, j'ai compris comment. Qui aime le dire. Ouais, je vais fumer ma clope, je vais y aller.